Parce que hier là, c'était plein de monde. Et je dis encore, nous sommes venus faire des placements, malgré ce samedi matin, ce jour de s'élever. Nous pensons que c'est un bon bagage. Et l'ambassadeur lui-même était très intéressé à aider nous découvrir, culturer et faire nous connaître le pays, comprendre mieux. Et nous était très bon dans comprendre ça comme là. Nous pensons que c'est un bel début de coopération. Comment la coopération? Eh bien, c'est une coopération qui est capable de durer. Parce que l'Europe fait une coopération, il faut d'abord pour apprendre qu'on est maintenant et apprendre qu'on est, nous apprendre qui ça l'autre qui a comme besoin. Et tant que nous avons fait plusieurs expériences déjà avec l'Espagne, avec l'Amérique. Donc, c'est apprendre de apprendre qu'on est, nous apprendre pour confiance. Et puis avec ça, il y a un petit bagage qui est venu, mais c'est pour nous patients. C'est pour nous apprendre à respecter l'autre d'abord, nous apprendre à comprendre l'autre dans différents sites. C'était une idée ça sortie pour nous être capable de venir à l'intérieur. Ça, c'est une idée de Jacques Lumard, recteur de l'Université de Kiskeya, qui ses amis, ambassadeurs, qui a fait un festival comme ça à l'Académie dans l'Université de Kiskeya l'année dernière. Et que lui pensait que c'était un bagage qui est important pour. L'université publique en région a bénéficié de l'amitié ça. Et le fait que l'IOE qui s'accueille gagné comme retombe lui-même pour lui-même en tant que recteur dirigeant de l'université, il pense que nous-mêmes nous avons profité au maximum de relation ça. Et puisque Jacques Lumart, c'est mon Jacques Mel, donc nous commençons avec une série d'activités ça, Jacques Mel, après ça, il va aller dans NIP, après. Les deux festivals, là, au final, qui ça s'appelle, on a fait une évaluation et puis il a continué dans tous les 9 départements pour les 9 universités publiques en région. Après le festival, ça, qu'est-ce que ça nous capable d'espérer de Japon? En pile bagaille. Mais d'abord, tant que moi, je dis là, il faut que le Japon commence à connaître nous mieux que seulement en bagaille politique. Il faut connaître nous mieux en culture parce que même leur livre son monde, mais c'est leur vrai monde. Non? Vous venez comprendre, nous-mêmes, nous venons comprendre que tu as mieux. C'est ça, grand pile, bagay cap tombé. Vous venez dans la coopération, ce n'est pas un équipage de Baou, ce n'est pas États-Unis. États-Unis, ils ont un équipage de Baou, mais on va prendre à quel prix. Tandis que eux-mêmes, les Baou, ils ont fait. Concrètement, qu'est-ce que l'université est capable d'espérer de festival? Bon, eh bien, premièrement, étudiants n'ont pas déjà exposé à. Culture japonaise, c'était surtout Jackie Chen que tu connais avec Bruce Lee. Mais quand il est là, il a fini par réaliser que il y a une autre culture japonaise. Il a découvert le manga, il a découvert les gens que l'imagination japonaise, la créativité japonaise à travers le cinéma. Et nous-mêmes, le fait que nous sommes un département qui a une école de cinéma, moi je pense que déjà, il y a un étudiant de cinéma là hier. Et qui était déjà gradué, je pense que dans ce sens-là, Jacques Mel commençait à rentrer dans la coopération. Hein, et que c'est nous-mêmes qui pouvons faire que Japonais, le Japon est très intéressé, plus intéressé à nous. Et l'UPSEG, c'est déjà canalisation pour lui entrer dans la coopération. Donc, comment on crée notre société, notre culture pour partager ici en Japon? Le motif de... Le motif, c'est le Japon, peut-être à travers les jeunes, etc. Notre coopération est assez, je pense, un peu connue ici en Haïti, mais peut-être le japonais, notre culture, notre façon de penser, notre technologie, notre vie n'est pas tellement connue. Donc j'ai pensé que ce serait mieux d'avoir quelques idées. On ne peut pas couvrir deux en même temps, mais ça peut donner quelques images. Et c'est pour ça que je suis venu ici en Japon. Pas d'autres projets alors? D'autres projets après l'activité? Non, cette fois-ci, bien concentré sur le festival de films japonais et surtout grâce à l'accueil
chaleureuse de lecteurs. En quoi va nous servir cette coopération? En quoi va nous servir cette coopération? C'est pour partager notre culture. Et donc c'est ça. Donc si vous avez trouvé quelque chose en commun, peut-être quelque chose en différence, ça peut vous servir pour découvrir le Japon. Est-ce que vous êtes satisfait de cette visite privée? Oui, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse, qui vient, qui fait le commentaire exact. Donc je suis très satisfait. Après cette activité, à quoi nous allons espérer que le Japon va nous aider, non? Ça, non, on est neutre, c'est pour, simplement pour montrer notre culture et notre vie quotidienne, ou bien notre vie actuelle. Peut-être selon le film, on peut découvrir peut-être un fiancé du Japon, etc. Mais c'est à vous de découvrir, c'est à vous de vraiment apprécier. Est-ce que nous pouvons... Il n'y a pas de message qu'on veut vraiment pousser à vous, mais c'est simplement c'est quelque chose d'autre. Est-ce que pour avoir un jumelage entre Japon et Haïti dans ce cas? Oui, peut-être la possibilité, mais il faut commencer par un pas et peut-être par l'étape pour atteindre un certain niveau plus haut.